belle lumière c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien une vidéo pour vous présenter ce magnifique oracle euh, qui est un oracle de Kyle Gray avec des illustrations de Lilimous qui est l'oracle des esprits protecteurs c'est un oracle qui est aux éditions vega édition vega que je ne vous présente plus c'est un, une marque des éditions très Daniel évidemment vous aurez tous les liens en dessous la vidéo pour pouvoir vous le procurer personnellement je l'aime beaucoup parce que les cartes ont des illustrations sublimes euh... bon, on va le découvrir hein. plutôt que de vous en parler je vais vous le montrer ça sera beaucoup plus simple alors on regarde tout d'abord le dos donc il arrive dans un petit coffret rigide comme ceci il est au prix de 26 euros et je vous lis ce qui est écrit au dos Issus des traditions celtes, amérindiennes ou aborigènes, et des personnalités liées au culte de la terre, les êtres protecteurs présentés dans ce coffret font le lien entre notre monde et celui des esprits. Cet outil puissant est conçu pour débloquer les réponses cachées en vous grâce à la sagesse ancienne et divine de nos guides, anges et ancêtres, âmes des gardiens du monde entier. Sans jugement, les esprits protecteurs vous apportent une énergie totalement aimante qui nous guide et nous sécurise. Ils nous montrent l'expérience. Ils ont foulé avant nous le sol de cette terre et ont appris sa magie et ses remèdes. Ce coffret contient donc 55 cartes et un livre explicatif de 160 pages. 26 euros aux éditions Vega, comme je vous ai dit. Une marque des éditions très Daniel. Alors le coffret à l'intérieur est comme ceci. J'adore cette, euh, cette belle phrase. Gardien des quatre coins, mère dans la terre, père dans le ciel, ange ancêtre, être sacré, je vous appelle et vous accueille ici et maintenant. Vous pouvez peut-être, justement, avant de tirer ces cartes, invoquer ces esprits protecteurs en disant simplement cette phrase. Ça peut être une idée. Donc voilà, là vous avez l'intérieur du couvercle. Regardons maintenant le fond de la boîte. Vous avez une autre phrase. Et là, on vous dit, je pose l'intention que tous les gains des leçons apprises grâce à cet outil soient dédiés à la croissance de tous les êtres, en tout lieu. Magnifique également. Alors un petit livret noir et blanc avec on va le détailler la description des cartes. Ici vous avez les cartes. Alors ce que j'aime beaucoup sur pour ces cartes, c'est déjà le toucher mat. Ça ne brille pas, vous voyez, je suis devant le, le, la lumière du jour, vous ne voyez pas de brillance. Vous avez une tranche dorée. Bon alors ça moi je, si elle n'y avait pas été c'était pas très très grave parce que c'est pas, pas ce qui me... Alors c'est vrai qu'en qu aspect c'est très joli, mais c'est ce qui s'abîme souvent le plus vite. Hein. Moi quand je regarde mes, mes oracles que j'utilise le plus, j'ai toute la dorure qui s'en va. Bon, ça c'est juste dommage. Mais c'est vrai que ça leur donne un petit côté. Euh, voilà, ça, ça, ça donne ce petit cachet particulier. Donc vous voyez, les illustrations sont magnifiques, on les découvrira après. On va regarder tout d'abord le livret. Alors, pour le livret. Donc c'est un oracle qui a été traduit évidemment, comme vous pouvez le, le comme vous le savez, parce que puisque Kyle Gray n'est pas du tout français, donc ça s'appelait Angels and ancestors, qui a été publié la première fois en 2018 par Kyle Gray, enfin par Kyle Gray. Oui, c'est lui qui l'a fait. Ça a été publié par Hay House. Euh, et donc en 2021, par les éditions Vega, qui est une marque du groupe Trédianiel, pour la traduction française. C'est bien, c'est que souvent, euh, eh bien, on retrouve nos, nos oracles préférés en, en version française. Il y en a d'ailleurs plein qui vont sortir aussi au mois d'août, qui ont été également traduits, euh, traduits de l'anglais. Alors, comment utiliser les cartes Donc là, vous avez tout le sommaire avec, vous voyez, toutes les cartes. Elles n'ont pas de numéro, par contre, les cartes, elles sont euh, ici euh, classées par ordre alphabétique et par catégorie, puisque là, vous avez tout d'abord les êtres sacrés. Ensuite, vous avez les protecteurs et messagers. Les symboles guerriers, puisqu'il y a aussi des symboles. Et ensuite, vous avez des saisons. Voilà. Donc vous avez ensuite l'introduction qui vous parle de cet oracle. Comment utiliser les cartes de, ce, de cet oracle Donc on vous détruit, on vous détruit. On vous décrit le coffret, les êtres sacrés, les gardiens et messagers qui sont-ils, les, les symboles également. Donc pendant que j'écrivais mon livre, vous qu'algré. Sur les guerriers de lumière, j'ai fait un rêve dans lequel on me montrait des symboles à utiliser pour recevoir des messages puissants, directement de mes guides et de mes esprits protecteurs. Quand ces symboles guerriers apparaissent dans un tirage, ils révèlent une information importante qui vous aide à comprendre l'action à mener ensuite. Vous trouverez neuf cartes de symboles qui offrent des leçons et des indications pour évoluer. Les êtres sacrés des temps anciens observaient les, les augures dans la nature pour deviner le résultat d'une situation. Dans ce coffret, les symboles agissent de la même manière. Ensuite, vous avez les saisons, et donc on vous dit que les cartes saisons offrent des messages qui vous aideront à suivre le flot de la vie, et elles indiquent également les périodes concernées dans un sens plus linéaire. Par exemple. Lorsqu'une saison particulière va enclencher les énergies pertinentes, toutes les saisons apportent aussi leur propre thérapie. Laissez-les vous l'apprendre. Donc là, on vous demande comment créer un lien, pardon, de connexion. J'étais pas à côté, de, en face de la caméra. Désolé. Un, un lien de connexion avec euh, votre oracle, avec une petite cérémonie de connexion, avec les phrases que vous pourrez dire en appelant les gardiens de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord, par exemple. Enfin, il y a plusieurs façons de le faire. Après, vous ferez, je pense, celle qui vous appelle le plus. Voilà. L'utilisation de l'oracle, comment le, elle fonctionne, comment aborder les cartes. Comment mener les tirages, comment élever sa vibration, comment ranger les cartes, comment les nettoyer également. La cérémonie de purification également. Comment tirer pour soi, pour les autres. Et ensuite les différents tirages que l'on peut faire avec les dispositions. Disposition à deux cartes, disposition du compas celte. Disposition des, des leçons de vie passées, question à trois cartes, question à une carte, etc. Après les cartes sauteuses, les cartes tête en bas, on vous explique beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je l'ai utilisé dans ma dernière guidance pour vous apporter des messages des esprits protecteur. Donc il y a diverses manières, vous pouvez après également vous, euh, vous attribuer vos propres méthodes. Hein. Il n'y a rien de figé, vous le savez toujours, je le dis toujours parce que souvent, alors souvent non, parfois on m'écrit en me disant moi j'utilise plutôt cet oracle comme ça, est-ce que je peux le faire? Oui, il n'y a rien de faux, il n'y a rien de, de mal. Du moment que ça vibre et ça résonne pour vous, faites ce qui vous semble juste. Voilà. Donc pour chaque carte ensuite, vous avez la petite miniature, le titre de la carte avec le, la phrase clé, la phrase conseil, je dirais même. Vous avez ensuite un message express, l'origine et l'interprétation de la carte. Voilà. Là par exemple, on vous parle du peuple aborigène qui y sont, etc. Puisque c'est un aborigène qui est représenté ici, qui est un, de, un ancêtre l'ancêtre des étoiles etc voilà là vous avez toute la description des cartes à la fin bon après vous avez ici les symboles pardon les symboles et puis les saisons ensuite vous avez des informations à propos de l'auteur et de l'artiste et quelques pages pour noter vos notes voilà et on, on se on se penche sur les cartes maintenant alors comme je les ai utilisées plusieurs fois je ne les ai pas reclassées dans l'ordre euh, parce qu'il aurait fallu que je les classe par ordre alphabétique et par catégorie, ça m'aurait pris un petit peu plus de temps. C'est pas très grave, hein, puisque voilà, on va apprécier de toute façon euh, l'image et je vous lirai également à la fin une carte pour vous montrer un petit peu comment, euh, comment l'auteur. Euh, les, euh, voir l'essence exacte bah de elles sont, donc, euh, donc, vous, vous aurez une carte avec les messages qui y sont associés pour que vous puissiez vous rendre compte. Moi, j'aime bien voir comment l'auteur, à chaque fois que je regarde des reviews, hein, parce que ça m'arrive de regarder des, des, des reviews d'autres oracles avant d'en faire l'acquisition, et j'aime bien qu'on qu me donne le texte pour voir un petit peu. Alors, c'est vrai qu'après, je le fais à l'intuitif, mais j'aime bien savoir comment l'auteur, lui, il a vu les choses. Alors, les cartes. Très bon cartonnage, comme je vous disais. Pas trop fine, pas trop épaisse. Voici le dos qui est très beau. Et voici le devant des cartes. Donc, on fait un gros plan. On va les regarder une à une pour que vous en appréciez la beauté. Donc, là, vous avez le grand maître. Là, vous avez l'ermite. Alors, normalement, ceux-là font partie des premiers, si je ne me trompe pas. Hmm. Grand maître, voilà, donc ça fait partie des êtres sacrés. L'ermite également, le Seigneur également. De toute façon, après, les protecteurs et messagers, ce sont les anges et les gardiens, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, on est dans les êtres sacrés. Là, par exemple, on est dans les êtres protecteurs. Hein? Protecteurs et messagers, comme les appelle Calcré. Euh, si elle perd donc vous voyez c'est juste magnifique, l'ange gardien là c'est qu'on vous dit que vous n'êtes jamais seul gardienne du cœur, l'aigle prenez de la hauteur, là vous voyez que ces cartes donc, qui représentent euh, les symboles sont du coup dans une, une autre couleur, elles sont toutes entourées de beige comme ça hein, vous voyez la différence avec celle-ci voilà Bon là, il y en a trois qui se succèdent. Donc les symboles que voici. Là on est encore sur des symboles. Là on est sur des êtres sacrés. Ça quand on les mélange, hein, vous savez qu'après euh, il peut y avoir des successions de cartes. <coughs> Le gardien des directions. Donc là on est sur les gardiens. Le gardien de la terre. La gardienne de la magie. Les druides. Le druide l'ancêtre, le tambour, tambour chaman. Hein, comme vous, je vous l'ai dit, vous avez vu, vous pouvez avoir plusieurs euh, cultures, vous pouvez avoir des chamans, vous pouvez avoir des, euh, des anges, des guerriers, des guides, voilà, c'est très divers et varié. Hein. Oh, J'en ai raté une, la femme sage, la gardienne de l'air, le gardien du feu. La voyageuse, le guerrier. Là, on est sur des êtres sacrés. Mère médecine. Oh, il y en a qui sont les, elles sont les unes plus belles que les autres. Là, c'est la dame, la métamorphe ou le métamorphe. Tiens, je suis en train de me demander non, euh, si c'est féminin ou. ou... <laughs> là, on a l'automne. Là, on a le printemps. Là, on a un symbole, le cerf. Là, on a le soleil. Là, on a terre-mère. Regardez comme elle est belle, terre-mère. Là, on a l'oracle. Vous savez que c'est le messager. L'oracle, hein? c'est celui qui, qui vous donne des informations. C'est pour ça que... Là, on a le grand prêtre. Là, on a la grande prêtresse. On reconnaît Isis d'ailleurs, pour moi. Pour moi, c'est Isis. Et euh, avec le faucon, alors normalement, tête de faucon, celui qui est représenté avec le faucon, c'est le dieu rat, mais on va voir si c'est lui ou pas. Là, vous avez le chasseur. Là, vous avez le chevalier. Là, vous avez le chaman. Très beau. La fille au bouclier qui me fait penser aux demoiselles de bou de, au bouclier qu'il que, qu y a dans la série Les Vikings par exemple. Ça m'y fait penser, c'est marrant, c'est vraiment ça, ce à quoi ça me fait penser. Vous avez l'esprit renard, l'ancêtre des étoiles, l'observateur céleste, la gardienne protectrice la gardienne de la paix on voyait vraiment franchement euh, moi les, les, les illustrations m'ont enchantée hein. là on a l'été là on a l'hiver avec le loup le maître Shaolin la gardienne des animaux le gardien de la médecine la flèche la flèche brisée, la femme louve, regardez comme elle est belle aussi, la gardienne du miroir et le commerçant. Voilà. Donc vous voyez un très très bel oracle, les cartes sont les unes plus belles que les autres, euh, il est juste sublime, moi j'aime beaucoup en tout cas. Euh, et euh, voilà c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un oracle euh, que l'on peut utiliser de diverses manières euh, et ce que l'on va faire alors on va tirer une carte pour avoir euh, votre message alors, allez je vais arrêter je je les cartes il y en a une qui a sauté donc on va découvrir le message et on a l'hiver avec le loup magnifique et le message respectez vos besoins alors on va tout de suite donc, euh, on a dit l'hiver, aux saisons, automne, hiver, et je vous lis le message de la carte. Message express, faites tout ce qu'il faut pour être au mieux, puis dépassez vos peurs et vos limitations. Origine, pour la plupart des animaux, l'hiver est une période d'hibernation et de retraite. Vous avez peut-être envie de vous rouler en boule, vous aussi. Cependant, bien que vous ne vous sentiez pas aussi brillant que vous l'aimeriez, une force originelle intérieure vous encourage à persévérer. Un loup illustre la carte de l'hiver car c'est l'un des animaux qui reste actif toute l'année. Les loups savent ce que, ce que sont le travail en solitaire et la réussite en meute et si vous ressentez un besoin de solitude en ce moment, sachez que la médecine du loup vous aidera à surmonter le sentiment d'insécurité et à vous détendre dans votre espace personnel. Interprétation. Vous avez une occasion de dépasser vos peurs, même si vous vous sentez dans l'obscurité, soyez à l'aise avec l'inconnu et sachez que votre lumière intérieure vous guidera. Demandez-vous ce dont vous avez besoin pour rester vivant et avoir du soutien. Vous, vous découvrirez peut-être une chose du passé que vous aviez profondément refoulée. Comprenez que lorsque vous le déterrerez et la mettrez en lumière, vous ouvrirez un espace pour les miracles. Peut-être vous sentez-vous comme le loup solitaire en ce moment, mais il est temps de devenir le meilleur. Quand la carte de l'hiver se montre en position du futur ou comme dernière, ou comme dernière carte d'un tirage, elle annonce les énergies importantes en rapport avec vos, votre question ou avec vos intentions. Voilà le message du loup. J'espère que comme moi, cet oracle vous a plu, que vous aimez. Enfin, moi j'adore les illustrations, j'adore. Et puis j'adore aussi l'esprit enfin, de demander auprès de, nos, de, ces, de ces guides guerriers, anges et chamanes, de nous aider à comprendre certaines choses, de nous donner des messages. Je le trouve magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci de vos commentaires, de vos likes. Et merci à tous mes abonnés de me suivre, d'être aussi fidèles depuis maintenant un bon paquet de mois. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite. Au revoir.